Il ne t'abandonnera jamais, car il est fidèle. Tu as été trahi par les amis, tu as été trahi par la famille, tu as été trahi par ton conjoint, mais lui, il est fidèle. Shalom, shalom, shalom. Shalom, famille TP, soyez bénis ce midi, que le Seigneur vous bénisse. Nous disons bonjour au Saint-Esprit, nous disons shalom à la personne qui est connectée à côté de nous et nous partageons la vidéo. Amen, soyez bénis, que le Seigneur vous fasse du bien encore, que le Seigneur vous bénisse. Alors dites-moi, si vous m'entendez bien, est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image passe bien? Est-ce que la connexion est bonne? Dites-moi si tout va bien. Soyez bénis toute la famille TPS à travers le monde. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie encore ce midi. Voilà, dites-moi si c'est bon, si tout va bien. Et nous commençons déjà notre session par la grâce de Dieu. J'attends. Shalom, shalom. Ok, dites-moi si c'est bon. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je vais prier le Seigneur et nous commençons déjà. Éternel mon Dieu, nous te bénissons encore, Seigneur. Merci pour ce privilège, Père, que tu nous accordes encore d'être dans ta présence, Père. Beaucoup de personnes, peut-être, ont pris leur pause au travail. Beaucoup, Seigneur, oh Dieu, sont peut-être quelque part, mais ces personnes ont décidé de s'arrêter quelques instants et d'entrer dans ta présence en ce moment. Seigneur, je te prie, oh Dieu, de prendre le contrôle de ce moment, de bénir chaque personne qui se connecte, cette personne qui a laissé sa pause pour être dans la prière, cette personne qui a laissé le temps où il devait aller manger, où elle devait aller manger pour être en prière, cette personne qui a arrêté l'activité qu'elle est en train de faire pour rentrer dans la prière. Seigneur, oh Dieu, je te recommande chacun. Et que ce moment soit un moment de gloire, un moment, Seigneur, de restauration, un moment d'intimité avec toi, un moment de transformation, un moment où tu vas encore, Seigneur, oh Dieu, changer les vies, transformer les vies, délivrer les vies, rapprocher les cœurs, Seigneur, vers toi. Prends le contrôle par le Saint-Esprit. Règne, Seigneur, ce moment est pour toi et pour ta seule gloire, dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes dans notre session de midi qui est la PPRS, prière pour, de préparation pour le retour du Seigneur. Mais en même temps, vous allez voir, vous avez vu, j'écris prière de midi tout simplement parce que on va essayer d'aller un peu dans un mélange de la PPRS et de l'heure du jugement. On va essayer de faire un petit, voilà, un petit micmac, un mélange des sujets qui concernent la PPRS et des sujets qui concernent l'heure du jugement. Donc, en même temps, prière de consécration, en même temps, prière de combat spirituel. Voilà, selon que le Seigneur va nous conduire. Amen. Selon que le Seigneur va nous conduire. Et le Seigneur va nous faire du bien. Le Seigneur est fidèle. Le Saint-Esprit est là. Et nous croyons en sa présence. Nous croyons que encore ce midi, il va nous faire du bien. Donc, notre thème de ce midi est « Il n'y a plus de condamnation ». Écris avec moi. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation. Et nous lisons notre texte dans Romains chapitre 8 au verset 1. Romains chapitre 8 au verset 1 qui dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Waouh. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais tout simplement t'annoncer une bonne nouvelle ce midi. La bonne nouvelle est qu'il n'y a plus de condamnation pour toi. Toi qui es en Christ,
toi qui es positionné en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Et j'aime comment l'apôtre Paul le dit. Il dit, il n'y a donc maintenant, donc il n'y a donc aujourd'hui, il n'y a donc maintenant, là, 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 il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsque tu es en Jésus-Christ, bien-aimé, rien ne viendra te condamner. Rien ne viendra te mettre à mort. Rien ne viendra te chercher. Excusez-moi. Re-shalom, je suis de retour, excusez-moi. Voilà, donc je disais, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Parce que Jésus a tout payé à la croix, parce que Jésus a payé le prix. Ce qui devait nous condamner est tombé sur Jésus. Ce qui devait nous emmener à la mort et tomber sur Jésus, afin que nous puissions être sauvés, afin que nous puissions bénéficier de la grâce de Dieu, afin que nous puissions bénéficier de la vie de Dieu, afin que nous puissions bénéficier de la guérison de Dieu, afin que nous puissions bénéficier de la justice de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, tu dois accepter, ton âme doit accepter qu'il n'y a maintenant aucune condamnation. Tant que tu es positionné en Jésus-Christ, rien ne te condamne. Parce que si on doit te condamner, alors on doit passer par Jésus. On doit passer par Jésus. Je me souviens lorsqu'on était enfant, il y avait quelque chose que je disais tout souvent. Alors, si on veut me toucher, il faut d'abord passer par Jésus. Je le disais comme ça. Il faut d'abord passer par Jésus. Mais c'est une réalité. C'est exactement comme les poupées russes. Vous voyez les poupées. Donc quand vous voyez une grande poupée russe, il y a des petites poupées, des petites poupées à l'intérieur. Et nous, nous sommes positionnés en Christ. En d'autres termes, c'est Jésus-Christ qui est devant et toi, tu es derrière. C'est Jésus-Christ qu'on voit et toi, tu es caché en lui. C'est Jésus-Christ qu'on voit et toi, tu es derrière Christ. Il y a Christ qui te protège. C'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait dire avec force, avec foi, avec détermination, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Or, bien aimé, lorsqu'on condamne une personne, condamner quelqu'un, c'est condamner, c'est une décision de justice. C'est une décision de justice qui condamne quelqu'un à une obligation ou à une peine. La condamnation, c'est une décision qui condamne quelqu'un à une obligation ou à une peine. Donc, lorsqu'on dit que quelqu'un est condamné, on oblige la personne à vivre une peine. On oblige la personne à vivre une sentence. On oblige la personne à vivre une douleur. On oblige la personne à vivre quelque chose parce qu'il y a une décision qui a été prise contre lui. Bien-aimé, lorsque tu es en Christ, le diable ne peut plus te condamner. C'est pour cela que tu n'es plus condamné au péché. Tu n'es plus condamné au péché parce que Jésus-Christ a pris ta place à la croix de Golgotha. Il n'y a aucune décision qui peut venir te condamner, t'obliger à vivre une vie de douleur, t'obliger à être dans la maladie, t'obliger à être dans la douleur, t'obliger. Aucune décision, aucune condamnation ne peut venir encore pour t'obliger, pour te condamner, pour t'enfoncer ou encore pour te mettre... pour te clouer dans une croix. Parce que Jésus a déjà été cloué à la croix. Alléluia. Aucune décision. C'est pour cela que je dis, aucune décision des ténèbres ne peut te condamner à une maladie. Aucune décision des ténèbres ne peut te condamner à une douleur. Aucune décision des ténèbres ne peut te condamner parce que maintenant, tu es en Christ. Et parce que tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quelle est la chose qui vient pour te dire, pour t'interdire? Quelle est cette voie qui t'interdit d'avancer?
Quelle est cette voix qui t'interdit de réussir? Quelle est cette voix qui t'interdit de vivre une vie abondante? Quelle est cette voix qui t'interdit de vivre une vie de sanctification? Bien-aimé, il y a des personnes où le diable les a condamnés à quelque chose. Dont le diable les emmène toujours dans un péché. Toujours dans un péché. Bien-aimé, il faut dire maintenant, mon corps n'est pas pour le péché. Mon corps n'est pas pour le péché. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis en Christ. Je suis positionné en Christ. Je ne peux plus marcher dans le péché. Mon corps n'est pas un outil de péché. Mon corps n'est pas un instrument de péché. Mon corps n'est pas pour le diable. Alléluia. Quelle est cette voix qui vient t'accuser pour te dire que tu dois toujours être malade? La Bible dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. On ne dit pas hors de Christ ou qui marchent avec, on dit en Christ. Donc ceux qui sont positionnés en Christ, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Aucune condamnation. Des fois j'entends des gens qui disent, ah je n'arrive pas à arrêter ce péché. Je n'arrive pas à abandonner le péché. Je n'arrive pas vraiment à marcher dans la sanctification. Je n'arrive pas vraiment à suivre le Seigneur. Je n'arrive pas. Bien-aimé, en réalité, tu n'arrives pas parce que tu penses que c'est tes propres forces qui peuvent te faire arriver. Mais si tu crois que c'est le Saint-Esprit qui te conduit, alors tu vas arriver. Parce qu'en réalité, bien-aimé, tout est grâce. Nous sommes conduits par la grâce de Dieu. Nous sommes conduits par la grâce de Dieu au moyen de la foi. C'est pour cela, bien-aimé, tu dois juste avoir la foi que le Seigneur t'aide à marcher dans la sanctification. C'est le Seigneur, c'est par la grâce de Dieu que tu arrives, que tu vas arriver plutôt à être totalement consacré. Non pas par ta force, mais par la grâce de Dieu. Lorsque tu vas tout remettre à la grâce de Dieu, lorsque tu vas comprendre que c'est le Saint-Esprit qui te conduit, alors tu vas commencer à vivre une vie de consécration dans toute la facilité. Lorsque tu te sentiras faible, tu appelleras le Saint-Esprit. Lorsque tu te sentiras en train de tomber, tu crieras au secours au Saint-Esprit qui est en toi. Lorsque tu sentiras que ta chair est en train de vouloir t'emmener dans un chemin du péché, dans un chemin qui est contre la parole de Dieu, tu vas crier à Dieu. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est comme cet antivirus qui est là et qui te dit « Attention, le virus est entré. Attention, tu es en train de prendre un mauvais chemin. Attention, tu es en train de dévier. Attention, tu es en train de t'éloigner du chemin de la vie. » Le Saint-Esprit est là comme un antivirus. Alléluia. Et un jour, David dit, dans le psaume 119, il dit, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Il a dit, « C'est en marchant selon ta parole. » C'est en marchant selon ta parole. Et un jour, David dit, « Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu t'emmagasines de la parole de Dieu. Au moment où peut-être que le diable voudra te dévier, cette parole va remonter, cette parole va parler, cette parole va avoir maintenant une voix dans ton cœur pour te rappeler, pour te dire attention au chemin que tu es en train de prendre. Alléluia. De la même manière, lorsque tu écoutes la parole de Dieu te rappelle aussi que tu es enfant de Dieu. La parole de Dieu te rappelle qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. La parole de Dieu te rappelle que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. La parole de Dieu te rappelle que ceux qui sont en Christ, bien-aimés, sont bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La parole de Dieu te rappelle qu'il ordonnera à ses anges de te porter dans les bras et que, bien-aimé, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et qui sont appelés selon ses desseins. Alors, il n'y a aucune condamnation. Il n'y a aucune condamnation. Quelle est la voix d'accusation qui parle contre toi? Quelle est la voix de condamnation qui est en train de t'accuser? Il y a des personnes qui entendent des voix de condamnation qui leur dit, ta vie va s'arrêter à tel âge. Cette maladie va t'emmener à la mort. Tu ne vas jamais réussir à servir Dieu correctement. Tu ne seras jamais consacré. C'est des voies de condamnation. Mais la Bible dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Il n'y a plus de condamnation de péché. Il n'y a plus de condamnation de maladie. Il n'y a plus de condamnation de blocage. Il n'y a plus de condamnation de malédiction. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de procès des ténèbres contre toi. Il n'y a plus de condamnation, d'interdiction. Quelque chose qui t'a, une voix qui t'interdit à percer. Il n'y a plus. Toute voix qui vient pour vouloir t'interdire, toute voix spirituelle qui vient pour t'interdire de percer, pour t'interdire d'avancer, pour t'interdire d'être la personne que Dieu a prévu que tu puisses être bien-aimé, tu la condamnes parce que Dieu dit au travers de sa parole, au travers de Paul, qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pour cela, je vais terminer par ceci. Ce n'est pas parce que je fais un mauvais rêve que je suis condamné.
Alléluia. Ce n'est pas parce que je fais un mauvais rêve que le Seigneur n'est pas avec moi. Ce n'est pas parce que j'ai rêvé un mari de nuit, une femme de nuit, que le Seigneur n'est plus avec moi. Non, je suis enfant de Dieu. Il n'y a plus aucune condamnation. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que, bien aimé, je suis en train de subir l'oppression que le Seigneur n'est pas avec moi. Ce n'est pas parce que, ce n'est pas à cause de cela que je dirais que c'est terminé, le Seigneur m'a oublié, ou pas du tout. Vous devez toujours savoir que parce que je suis en Christ, même si je vis ces choses, même si je vois une oppression, même si je fais un mauvais rêve, même si je suis effrayée dans la nuit, même si quelque chose vient pour vouloir me faire peur, mais je rappelle à mon esprit, je rappelle à mon âme, je rappelle au monde spirituel, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8 au verset 1. Pourquoi ? Le verset 2 dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. J'ai une loi de vie qui parle en moi. J'ai une loi de vie qui parle en moi. J'ai une loi de vie qui parle en moi. Bien-aimé, même si quelqu'un vient te maudire en face, dis à cette personne, il n'y a maintenant aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Même si, lorsque tu sens à l'intérieur de toi une voix qui est en train de te dire que de toute façon, toi, tu vas rater l'enlèvement. Tu vas rater l'enlèvement parce que ta vie est une vie sale. Tu vas rater l'enlèvement. Dis, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis en Christ. Je suis né de nouveau. Je suis co-héritier de Christ. Et je suis dans le royaume de Dieu. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Toi, voix des ténèbres, je t'arrête dans le nom de Jésus. Pourquoi je vous dis cela? Parce que, bien aimé, il y a des personnes, il y a certaines catégories de personnes qui pensent qu'ils ne méritent pas d'être enfants de Dieu, qu'ils ne méritent pas que ce n'est pas fait pour eux, qu'ils ne méritent pas l'amour de Dieu, peut-être à cause de leur passé. Ils ne méritent pas l'amour de Dieu, ils ne méritent pas l'amour de Dieu à cause de ce qu'ils vivent, à cause de leur vie. J'aimerais te dire une chose, que l'amour de Dieu n'est pas par rapport à tes mérites. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose que Dieu t'aime. Ce n'est pas parce que dès que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es enfant de Dieu. Dès que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es enfant de Dieu. Si tu confesses ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Par la foi, tu es sauvé. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi. Si tu as cette foi en Jésus-Christ, alors tu as la vie éternelle. Que rien de ce qui est autour de toi ne vienne te faire croire que le Seigneur n'est pas avec toi, que le Seigneur t'a oublié. Or, c'est pour cela que des fois, vous savez, il y a des voix qui se lèvent, des gens qui vous disent, mais si vraiment tu priais, pourquoi tu vis ces choses-là? Mais si vraiment tu étais vraiment enfant de Dieu, pourquoi ta vie, elle est comme ça? Mais si vraiment, bien aimé, si on retourne à Job, Job n'avait rien fait, mais Job a vécu des choses compliquées. Job avait son cœur à 100% pour Dieu, mais Dieu a permis que quelque chose lui arrive. Dieu a permis que quelque chose lui arrive. Qu'il puisse perdre tout. Mais à la fin, Dieu avait restauré. Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu est à la base d'une douleur dans ta vie, lui-même, il prend soin de te restaurer. Alléluia. Lorsque Dieu est à la base d'une douleur dans ta vie, lui-même, il prend le soin de restaurer. Lorsque Dieu est à la base d'une blessure dans la vie d'une personne, lui-même aussi, il guérit la personne. Alléluia. Lorsque Dieu est à la base... Lorsque Dieu permet que quelqu'un soit blessé, lorsque Dieu permet que quelqu'un puisse avoir mal, Dieu lui-même guérit cette personne. Dieu permet et Dieu restaure. Alléluia. Dieu permet et Dieu restaure. Mais lorsque c'est le diable qui vient pour oppresser, qui vient pour détruire, c'est là où tu prends autorité toi-même et tu détruis. Et tu refuses ce que le diable est en train de t'imposer. Alléluia. Tu refuses. Alléluia. Tu refuses. Dis avec moi, il n'y a plus de condamnation pour moi. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Alléluia. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Il n'y a plus de condamnation. Écoutez ce que Job est en train de dire. Dans Job 5, au verset 17, il est écrit, « Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. » Le verset 18. Il fait la plaie et il la bande. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. Or, il blesse et sa main guérit.
Lorsque Dieu blesse, lui-même il guérit. Lorsque Dieu fait la plaie, lui-même il abonde. Lorsque Dieu brise, lui-même il relève. Lorsque Dieu met à terre, lui-même il vient te chercher. C'est pour cela que David disait, vaut mieux pour moi tomber entre tes mains que de tomber entre les mains des hommes. Vaut mieux pour moi être châtié par l'Éternel que de châtier par l'homme, d'être châtié par l'homme. Alléluia. Parce que le Seigneur est celui qui guérit les cœurs brisés. Alléluia. Alléluia. Écoutez ce qu'il dit encore dans Deutéronome 32 au verset 29. 39. Deutéronome 32 au verset 39. Il est écrit. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Je blesse et je guéris. Je fais vivre et je fais mourir. Donc Dieu a la capacité de te relever. Dieu a la capacité de changer ta condition. Dieu a la capacité. Lorsque Dieu dit que le temps est arrivé de ta délivrance, le temps est arrivé. Personne ne peut arrêter le processus de Dieu dans ta vie. Et je déclare que personne ne va arrêter le processus de restauration de Dieu dans ta vie. Personne ne va arrêter le processus de Dieu dans ta maison. Personne ne va arrêter le processus de Dieu dans ta famille. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut aimer la vidéo? Ceux qui n'ont pas encore aimé la vidéo. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation. Je voulais tout simplement encourager quelqu'un, t'encourager qu'il n'y a plus de condamnation pour toi. Quels que soient les rugissements du lion, quels que soient les oppressions, quel que soit le combat, quel que soit ce que les gens disent autour de toi, il n'y a plus de condamnation. Quelle que soit la voix du diable qui te dit dans ta tête, qui part dans ta tête pour te dire que Dieu ne t'aime pas, tu ne mérites pas d'être appelé enfant de Dieu, il n'y a plus de condamnation parce que tu es en Christ Jésus. Tu es en Christ Jésus. Bien-aimé, il y a une question qui vient dans mon esprit, donc je vais vous dire la question et moi-même je vais donner la réponse. La question c'est, prophétesse, mais pourquoi, s'il n'y a plus de condamnation, pourquoi je tombe dans la masturbation? Pourquoi je tombe dans le péché? Pourquoi j'ai l'impression que je n'arrive pas, à chaque fois je tombe? J'aimerais dire à quelqu'un, si ça t'arrive que tu tombes, tu fais des rêves de mari de nuit, tu fais des rêves de femme de nuit, tu fais des rêves bizarres. Des fois, tu vas abandonner un truc. Rappelle-toi toujours, tu dois te repentir. Lorsque tu te repens, si c'est un péché, tu te repens et tu parles à toi-même. Il n'y a plus de condamnation. Je ne suis plus condamné à ce péché. Je ne suis plus condamné à tomber dans ce péché. Je ne suis plus condamné parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsque ce sont les maris de nuit qui se manifestent à chaque fois, quand tu te réveilles le matin, ne pleure pas. Aie une sainte colère et dis que ton corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il n'y a plus de condamnation. Que cela ne puisse pas te faire décourager. Au contraire, tu dois être encore fort, tu dois être encore plus déterminé et tu dois encore être en colère pour dire que je suis un enfant de Dieu, ne revenez plus jamais. Jusqu'à ce que, bien-aimé, parce que tu résistes par la foi, jusqu'à ce que tu vas voir que ces choses vont partir. Alléluia. Quelqu'un demande Job combien? Donnez-lui le verset que j'ai donné tout à l'heure. Alléluia. Job 5 au verset 18. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Oh Seigneur, pourquoi ces choses m'arrivent? Pourquoi lorsque Dieu est là, Dieu lui-même, quand il te met à terre, Dieu lui-même, il te relève. C'est pour cela des fois, on doit se poser la question, ce qui m'arrive, est-ce que c'est Dieu? Ou est-ce que c'est qui est derrière ça? Si c'est Dieu, lui-même, il prendra soin de restaurer. Si c'est Dieu, lui-même, il prendra soin. Si c'est l'autre là, ah, je prends autorité et je le chasse et je l'anéantis et je refuse sa condamnation. Je refuse ce qu'il est en train de faire contre moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? On acclame pour Jésus. Alléluia, nous allons prier le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, tu vas dire merci au Seigneur pour sa parole. Tu vas dire Seigneur, je te remercie. Merci pour ta parole qui m'a fait du bien. Merci pour ta parole qui m'a encore restauré. Merci pour ta parole qui m'a encouragé.
Merci pour ta parole qui m'a fortifié. Merci pour ta parole. Selon que ce que la parole t'a fait, tu es en train de dire merci à Dieu. Et merci aussi pour cette session. Et merci aussi pour la vie. Et merci aussi pour ta famille. Et merci aussi pour tout ce que le Seigneur a fait pour toi depuis le matin jusqu'à maintenant. Au nom puissant de Jésus. Père de gloire, nous te bénissons encore. Merci Seigneur, ô Dieu, pour ce moment merveilleux de ta présence, Seigneur, pour ce moment merveilleux où nous sommes dans ta présence. Merci pour ta parole, Seigneur, qui a fortifié quelqu'un. Merci pour ta parole qui a encouragé une personne. Merci pour ta parole qui a bâti la foi de quelqu'un encore ce midi. Nous te bénissons, nous te louons, nous te magnifions. Seigneur, merci, ô Dieu de gloire. Merci, Seigneur, car ta parole est bonne. Ta parole donne la vie. Ta parole restaure. Ta parole rebâtit les cœurs qui étaient brisés. Ta parole guérit ceux qui avaient, Seigneur, les âmes blessées, les âmes brisées. Merci, Seigneur, ô Dieu, pour ce moment. Et merci pour les familles. Merci, Seigneur, ô Dieu, pour ta main de protection divine sur chacun, depuis le matin jusqu'à maintenant. Nous te bénissons, nous te louons, nous te magnifions, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ton amour et merci pour ta grâce, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier le Seigneur et tu vas demander pardon alors que nous sommes dans la présence de Dieu. Peut-être que depuis la dernière session de 4 heures du matin jusqu'à maintenant, nous avons pensé des choses qui n'ont pas honoré le Seigneur. Nous avons commis des actes qui n'ont pas glorifié Dieu. Nous avons péché. Alors nous voulons demander pardon car la Bible déclare « car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Tu es en train de prier dans le nom puissant de Jésus. Oui, tu t'humilies dans la prière, tu t'inclines dans la prière, tu demandes pardon pour tes péchés connus et inconnus et tu demandes encore la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu te remplisse encore ce midi. Prions le Seigneur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur mon Dieu, je viens encore devant le trône de ta grâce. Je viens encore devant le trône de ta compassion. Je te prie, Seigneur, de pardonner mes péchés. Je te prie, Seigneur, de pardonner mes pensées. Je te prie, Seigneur, de pardonner, Seigneur, ô Dieu de gloire, tout péché que j'ai commis, ô Dieu, et qui ne t'ont pas honoré, Seigneur. Je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur, et accorde-moi ta grâce. Que ma prière ce midi monte devant toi comme un parfum de bonne odeur. Que ma prière monte devant toi comme un parfum de louange. Que ma prière monte devant toi comme un parfum d'adoration et que Seigneur mon Dieu, que Seigneur la pluie de l'exaucement tombe encore sur moi au travers de cette prière. Merci pour le pardon de mes péchés, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour la restauration, merci pour la grâce, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore prier le Seigneur et tu vas encore demander au Saint-Esprit de te remplir. Oui, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons rien faire. Tu vas prier que le Saint-Esprit puisse encore te remplir, que le Saint-Esprit puisse encore prendre la place dans ta vie, que le Saint-Esprit soit encore le socle de ta vie, que le Saint-Esprit prenne toute la place dans ta vie. Dans le nom de Jésus, tu es en train de prier. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, Saint-Esprit de Dieu, je viens encore devant le trône. Je viens encore, ô Saint-Esprit, consacrer ma vie à toi. Esprit de Dieu, je viens consacrer ma vie à toi. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de prier. Excusez-moi, je reviens. Continue à prier pour le Saint-Esprit. J'ai une livraison qui est arrivée.
Ok. Je suis de retour. Je suis de retour. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous sommes en train de prier pour le Saint-Esprit qui prend le contrôle de toutes choses dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore prier le Seigneur. La Bible déclare ceci, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Peut-être que là où tu te trouves, tu sens qu'il y a, à chaque fois, il y a un péché qui te colle, en fait. Tu n'arrives pas à te débarrasser de ça. Tu n'arrives pas à te sortir de ça. Tu n'arrives pas à enlever cela. Alors tu vas dire avec moi, au nom puissant de Jésus. Tu vas dire avec moi, au nom puissant de Jésus. Tout péché, tout péché que je n'arrive pas à abandonner, je déclare maintenant, il n'y a plus de condamnation. Parce que je suis en Christ. Tout péché que je n'arrive pas à abandonner, je t'abandonne aujourd'hui au nom de Jésus. Tout péché que je n'arrive pas à abandonner, je renonce à toi aujourd'hui au nom de Jésus. Tout péché que je n'arrive pas à abandonner, je renonce à toi, renonce à ce péché aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, dis qu'il n'y a plus de condamnation. Dis, je t'abandonne aujourd'hui. Il n'y a plus de condamnation. Je renonce à toi aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, tu es en train de prier. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Tout péché que je n'arrive pas à abandonner, je t'abandonne maintenant au nom de Jésus. Oui, je renonce à toi. Je renonce à la colère. Toi, colère, je n'arrive pas à t'abandonner. Je renonce à toi maintenant, car il n'y a plus de condamnation. Je ne suis plus condamné à la colère. Je ne suis plus condamné au mal. Je ne suis plus condamné au péché. Je ne suis plus condamné dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train de prier. Alléluia. Alléluia. Tu es en train de prier. Tu es en train de dire à ce péché, il n'y a plus de condamnation. Bien-aimé, tu n'es pas condamné à la colère. Tu n'es pas condamné au mal. Tu n'es pas condamné à vivre dans le péché. Tu n'es pas condamné à toujours vivre une vie de rétrogradation. Tu n'es pas condamné. Dis, je renonce à toi. Je renonce. Toi, orgueil, je renonce à toi. Toi, mensonge, je renonce à toi. Toi, colère, je renonce à toi. Au nom de Jésus. Toi, esprit de procrastination, je renonce à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Parce que je ne vois pas les réactions. Est-ce que vous m'entendez? Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout péché que je n'arrive pas à abandonner, je t'abandonne maintenant. Je renonce à toi. Je refuse dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je renonce à toi aujourd'hui. Toi, esprit de peur, je renonce à toi aujourd'hui. Je me sépare de toi dans le nom de Jésus. Car il n'y a plus de condamnation. Je ne suis pas condamné à la peur. Je ne suis pas condamné à la crainte. Je ne suis pas condamné au manque. Je ne suis pas condamné à la pauvreté. Je ne suis pas condamné à la haine. Je ne suis pas condamné dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout esprit qui ramène le péché, tout esprit qui ramène la stagnation dans ma vie, oh, je renonce à toi aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, je renonce à toi aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Et tu vas dire au Saint-Esprit, tu vas dire, très cher Saint-Esprit, délivre-moi là où j'ai besoin de délivrance. Saint-Esprit, délivre-moi là où j'ai besoin de délivrance. Guéris-moi là où j'ai besoin de guérison. Transforme-moi là où j'ai besoin de transformation. Au nom puissant de Jésus, tu es en train de prier, dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, je te consacre encore ma vie. Délivre-moi là où j'ai besoin de délivrance. Bien-aimé, peut-être qu'il y a un domaine de ta vie qui a besoin de délivrance. Délivre-moi là où j'ai besoin de délivrance. Guéris-moi là où j'ai besoin de guérison. Transforme-moi là où j'ai besoin de transformation. Dans le nom puissant de Jésus. Alors que je me tiens en ta présence, Seigneur. Alors que je me tiens à la porte de midi, Saint-Esprit, délivre-moi. Reviens en arrière dans toute ma vie. Reviens en arrière sur chaque seconde de ma vie. Reviens en arrière sur chaque moment de ma vie et commence à me délivrer. Commence à me délivrer là où j'ai besoin de délivrance au nom puissant de Jésus. Commence à me transformer là où j'ai besoin de transformation au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu es en train de prier. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Dis au Saint-Esprit de retourner en arrière sur chaque seconde de ta vie. Quel est le moment où tu as été condamné? Quel est le moment où il y a eu un changement dans ta vie? Quel est le moment où il y a eu une condamnation? Quel est le moment où il y a eu... Dis, Saint-Esprit, retourne en arrière sur chaque seconde de ma vie et délivre-moi là où j'ai besoin de délivrance. Guéris-moi là où j'ai besoin de guérison, au nom puissant de Jésus. Transforme-moi là où j'ai besoin de transformation. Change-moi là où j'ai besoin de changement, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu es en train de prier, au nom puissant de Jésus. Tu es en train de prier, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, reviens en arrière sur chaque seconde de ma vie, sur chaque période de ma vie, sur chaque moment de ma vie, et commence à me délivrer, et commence à me délivrer, et commence à me délivrer. Bien-aimé, il y a des personnes qui ont constaté un changement dans leur vie dans une période donnée. Il y a des personnes qui ont constaté un changement dans leur vie, c'est-à-dire les choses ont basculé à un moment donné. Il y a des gens qui ont constaté que les choses ont changé, ont arrêté d'avancer à un moment donné. Ça veut dire que c'est à cette période-là que quelque chose s'est infiltré. C'est à cette période-là que un changement est entré. Pas un changement positif, mais un changement négatif. Or, toi, tu es emmené, tu es appelé à vivre des changements positifs, des changements qui vont t'emmener vers le haut. Tu es au Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, reviens en arrière sur chaque seconde de la vie de mes enfants. Délivre-leur là où ils ont besoin de délivrance. Guéris-les là où ils ont besoin de guérison. Transforme-les, Seigneur, là où ils ont besoin de transformation, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Bien-aimé, la Bible déclare ceci. Oh, nous l'avons lu, je veux encore le dire. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Bien-aimé, tu vas traiter la distraction. S'il y a une chose qui empêche beaucoup de personnes d'avancer dans la vie spirituelle, c'est la distraction. S'il y a une chose qui empêche les gens d'avancer dans leur marche chrétienne, c'est la distraction. Alors tu vas dire avec moi, oh Seigneur, que tout élément de distraction contre ma vie spirituelle soit maintenant anéanti au nom de Jésus. Que tout élément de distraction contre ma vie spirituelle soit anéanti dans le nom puissant de Jésus. Que tout élément, tout ce qui vient pour la distraction, que cela soit anéanti, que cela soit brisé, que cela soit enlevé dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, que tout élément contre ma vie spirituelle soit maintenant anéanti au nom de Jésus-Christ. Que tout élément contre ma vie spirituelle soit maintenant brisé. Que tout élément contre ma vie spirituelle soit maintenant détruit dans le nom puissant de Jésus. Que tout élément contre ma vie, tout élément de distraction, bien-aimé, tout élément de distraction contre ma vie spirituelle soit maintenant détruit. Que tout élément de péché contre ma vie spirituelle soit maintenant anéanti dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu es en train de prier. Au nom puissant de Jésus, que tout élément de distraction que le diable a mis, a préparé contre toi pour que tu n'avances pas dans ta vie chrétienne, pour que tu n'avances pas dans ta vie spirituelle, soit détruit au nom de Jésus. Tout élément de distraction, de péché, tout élément d'éloignement d'avec Dieu contre ta vie spirituelle, que cela soit anéanti. Tu es en train de prier dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, que tout élément de distraction contre ma vie soit détruit, soit anéanti au nom de Jésus, soit brisé au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a des éléments de distraction que le diable met en place contre toi. Il y a des éléments de distraction que le diable met en place pour que tu sois condamné. Alors que la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Que tout élément de distraction contre ta vie spirituelle soit détruit au nom de Jésus. Que tout élément de distraction contre ta santé spirituelle, contre ton avancement, soit anéanti au nom de Jésus. Que tout élément de distraction contre toi soit détruit dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que tout élément de distraction contre toi soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout élément de distraction contre ta vie soit anéanti, soit brisé dans le nom puissant de Jésus. Que tout élément de distraction contre ta vie spirituelle, contre la percée de ta vie spirituelle, soit détruit au nom puissant de Jésus. Quelqu'un en train de prier, quelqu'un en train de prier dans le nom puissant de Jésus. Que tout élément de distraction contre toi soit totalement anéanti. Bien-aimé, le diable peut passer par plusieurs moyens pour t'empêcher de vivre une vie spirituelle épanouie, pour t'empêcher d'avancer dans ta relation avec Dieu. Il peut ramener la distraction dans plusieurs moyens.
Que tout élément de distraction soit anéanti au nom puissant de Jésus. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que tout ce qui emmène la distraction dans ma vie soit anéanti, soit brisé, soit détruit. Car je dois voir mon Seigneur. Car je suis enfant de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimé, tu vas prier. Car nous savons que Jésus revient bientôt. Et Jésus viendra chercher son Église. C'est pour cela, alors que tu es dans la prière, tu vas dire, Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi fidèle à toi. Que les choses de la vie ne me fassent pas perdre ma foi. Que les choses que je vis, que les difficultés que je peux vivre ne m'enlèvent pas ma foi. Que les bénédictions que je peux avoir aussi ne puissent pas refroidir ma foi. Seigneur, que rien ne refroidisse ma foi dans le nom de Jésus. Garde-moi fidèle à toi. Que rien ne refroidisse ma foi. Et que Seigneur, je sois fidèle jusqu'à ton retour dans le nom de Jésus. Tu es en train de prier. Le Seigneur a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? C'est pour cela que tu vas prier. Dis au Seigneur de te garder fidèle. Fidèle dans la foi jusqu'à son retour. Fidèle dans la foi jusqu'à la fin. Et que rien ne te fasse abandonner la foi. Que rien ne te fasse changer d'avis. Que rien ne te fasse ramener en arrière. Que ça soit la, que ça soit ni les tribulations, ni la mort, ni les problèmes, ni la bénédiction, ni l'abondance, ni la richesse, ni le succès, ni l'élévation. Qu'aucune chose ne te fasse reculer en arrière. Qu'aucune de ces choses ne te fasse changer, ne te fasse changer d'avis. Mais que tu restes fidèle. Bien-aimé, il y a des personnes, à cause de la bénédiction, ils se sont refroidis dans leur foi. À cause de l'abondance, ils ont changé. Ils ont changé dans leur manière de servir Dieu. D'autres à cause de la douleur, d'autres à cause des difficultés, d'autres à cause des oppressions, des tribulations, mais d'autres personnes à cause de l'abondance, à cause de l'argent, à cause de la position aujourd'hui, à cause de la prospérité. Ils ont changé de position. Dis Seigneur, que rien, que rien, que rien, au nom puissant de Jésus, garde-moi fidèle à toi, garde-moi fidèle à toi. Que rien, Seigneur, oh Dieu, qu'aucune situation ne me fasse changer. Ne me fasse, Seigneur, changer mon cœur. Ne me fasse reculer dans ma foi. Ne me fasse abandonner la foi. Seigneur, mais garde-moi fidèle à toi. Garde-moi fidèle à toi. Et que je te serve jusqu'à la fin. Que je te serve jusqu'à la fin de mes jours. Que je te serve jusqu'à la fin de ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que je te serve jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier. La Bible dit, il n'y a maintenant aucune condamnation. Tu vas dire avec moi au nom puissant de Jésus. Alors que je me tiens à la porte de minuit, à la porte de midi, tout ce qui se lève pour me condamner, oh, je te condamne à mon tour au nom de Jésus. Tout ce qui se lève pour me condamner, tout esprit qui cherche à condamner ma vie, je te condamne maintenant au nom de Jésus. Tout esprit qui cherche à condamner ma destinée, je te condamne au nom de Jésus. Tout esprit qui cherche à condamner ma santé, je te condamne au nom de Jésus. Tout esprit qui cherche à condamner ma famille, je te condamne au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à condamner cela. Car le Seigneur a dit, toute langue qui se lèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Commence à condamner, commence à condamner tout esprit qui se lève contre toi. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu es en train de dire, Seigneur, oh, alors que je me tiens à la porte de midi, je viens maintenant déclarer que tout esprit qui condamne ma vie, je te condamne maintenant au nom de Jésus. Tout élément qui condamne ma santé, je te condamne maintenant au nom de Jésus. Tout esprit qui condamne ma destinée, je te condamne à mon tour dans le nom puissant de Jésus. Je te condamne au nom puissant de Jésus. Toute condamnation qui vient des ténèbres et qui cherche à condamner ma vie, je te condamne maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu es en train de prier. Dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus.
tout élément qui cherche à condamner ma vie, je te condamne maintenant dans le nom puissant de Jésus. Sois condamné par le feu au nom puissant de Jésus. Toi, esprit de peur, je te condamne maintenant au nom puissant de Jésus. Toi, esprit d'oppression, je te condamne maintenant au nom de Jésus. Toi, esprit de maladie, je te condamne maintenant au nom de Jésus. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je te condamne à mon tour, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Il n'y a plus de condamnation pour mes enfants. Il n'y a plus de condamnation pour ma famille. Il n'y a plus de condamnation pour ma santé. Il n'y a plus de condamnation pour ma famille. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Toi, esprit de péché. Toi, esprit de stagnation. Je te condamne au nom puissant de Jésus. Je te condamne au nom puissant de Jésus. Je te condamne au nom puissant de Jésus. Tout ce qui cherche à condamner ma destinée. Tout ce qui cherche à condamner mon futur. Je te condamne au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je te condamne dans le nom de Jésus. Sois condamné. Sois anéanti. Sois détruit. Par le feu, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas dire avec moi, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, que toute langue qui se lève, toute langue maléfique qui se lève pour me condamner, soit maintenant brûlée au nom de Jésus. Que toute langue maléfique qui se lève pour condamner ma vie, soit maintenant brûlée au nom de Jésus. Commence à brûler ces langues. Commence à brûler ces langues. Toutes les langues maléfiques qui se lèvent pour condamner ta famille, tu les condamnes au nom de Jésus. Toutes les langues maléfiques qui se lèvent pour condamner ta vie, tu les condamnes au nom de Jésus. Et pendant que tu les condamnes, le soleil aussi les condamne au nom de Jésus. Pendant que tu les condamnes, la terre aussi les condamne au nom de Jésus. Pendant que tu les condamnes, le vent aussi les condamne au nom puissant de Jésus. Toute langue maléfique qui se lève contre mon ministère, je les condamne maintenant par le feu au nom puissant de Jésus. Toute langue des ténèbres qui se lève pour condamner mon mari, je les condamne maintenant par le feu au nom de Jésus. Je les brûle par le feu, qu'elles soient brûlées par le feu au nom puissant de Jésus. Que toute langue des ténèbres qui se lève contre moi soit brûlée par le feu maintenant au nom de Jésus. Toute langue maléfique qui œuvre contre ma vie, soit maintenant brûlée, soit maintenant brûlée, soit maintenant brûlée dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train de brûler ces langues qui sont en train de condamner ta vie. Tu es en train de brûler ces langues qui sont en train de condamner ta famille. Tu es en train de brûler ces langues qui sont en train de condamner tes enfants. Tu es en train de brûler cette langue qui est en train de condamner ton fils dans le nom puissant de Jésus. Que toute langue des ténèbres qui est en train de condamner mes enfants soit maintenant brûlée par le feu, soit maintenant rôtie par le feu dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la langue maléfique est cette langue dans les ténèbres qui condamne ta vie, qui envoie des malédictions, qui envoie des envoûtements, qui parle contre toi. Peut-être que dans ta famille, il y a une langue qui parle contre vous. Peut-être que dans votre famille, il y a une langue qui parle contre vous. Que cette langue soit condamnée dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Toute langue maléfique qui parle contre ta santé, qui veut te voir condamné malade, qui veut te voir condamné et ne plus travailler, que cela soit brûlé dans le nom de Jésus. Que cela soit brûlé par le feu dans le nom de Jésus. Pendant que tu te tiens à la porte de midi, cette langue est en train d'être brûlée, est en train d'être condamnée dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu pries dans le nom de Jésus que toute langue maléfique, toute langue des ténèbres, toute langue de la sorcellerie qui se lève contre toi, soit brûlée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la condamnation vient aussi par des armes d'oppression. Des fois, tu sens l'oppression. Tu sens comme si on te tire dessus. Tu sens comme s'il y a quelque chose qui t'oppresse. Alors, tu vas dire avec moi que toute arme d'oppression, que toute arme d'oppression qui a été levé contre moi, soit rendu impuissant au nom de Jésus. Que toute arme d'oppression qui a été levée contre moi, soit rendue impuissant au nom puissant de Jésus. Que toute arme d'oppression qui a été levée contre moi, qui a été levée pour me tourmenter, soit rendue impuissant au nom puissant de Jésus.
au nom puissant de Jésus, que toute arme d'oppression qui a été levée pour me tourmenter soit rendue impuissante au nom de Jésus. Commence à dire que toute arme d'oppression qui a été levée contre moi soit rendue impuissante au nom de Jésus. Que toute arme de condamnation qui a été levée contre moi soit rendue impuissante au nom de Jésus. Commence à déclarer que ces armes sont impuissantes. Commence à déclarer que ces armes sont impuissantes dans le nom puissant de Jésus. Toute arme d'oppression qui a été levée contre moi, oh, soyez impuissant maintenant au nom de Jésus. Toute arme d'oppression qui a été levée contre ma vie, soyez maintenant impuissant au nom de Jésus. Toute arme d'oppression qui a été levée pour tourmenter ma maison, soyez maintenant impuissant au nom de Jésus. Soyez rendu impuissant maintenant au nom puissant de Jésus. Soyez rendu impuissant maintenant. Toute arme d'oppression qui veut oppresser mon foyer, qui veut oppresser mes enfants, qui veut oppresser ma santé, qui veut oppresser ma destinée, soyez rendu impuissant dans le nom puissant de Jésus. Soyez rendu impuissant au nom de Jésus. Toi, arme d'oppression, sois rendu impuissant au nom de Jésus. Toi, arme d'oppression qui est envoyée pour me tourmenter, je déclare que tu reçois l'impuissance. Tu es maintenant impuissant au nom de Jésus. Toi, arme d'oppression qui vient pour tourmenter ma santé, je déclare que tu es impuissant maintenant. Je t'ordonne d'être impuissant maintenant au nom de Jésus. Toi, arme d'oppression qui vient oppresser ma santé, je t'ordonne d'être impuissant maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ma vie. Il n'y a plus de condamnation pour mes enfants. Il n'y a plus de condamnation pour mon époux. Il n'y a plus de condamnation pour mes projets. Il n'y a plus de condamnation pour mon ministère. Il n'y a plus de condamnation pour ma santé. Car je suis en Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Toute arme d'oppression qui a été envoyée contre moi, oh, soit rendue impuissant maintenant. Soit rendue impuissant maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Soit réduit en miettes. Soit réduit en miettes. Soit totalement anéanti. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore dire avec moi. Tu vas dire avec moi au nom puissant de Jésus. J'ordonne à toute stagnation démoniaque. J'ordonne à toute stagnation démoniaque installée pour empêcher mon progrès dans la foi, installée pour empêcher l'avancement de ma vie spirituelle, d'être brûlée par le feu au nom de Jésus. J'ordonne à toute stagnation démoniaque, j'ordonne à tout retour en arrière, installée pour empêcher mon progrès, installée pour empêcher ma foi, que cela soit brûlé par le feu au nom de Jésus. Bien-aimés, il y a des personnes qui servent Dieu, mais à un moment donné, c'est comme si il y a une force qui les ramène en arrière. Il y a une force qui les décourage. Il y a une force qui les empêche de continuer. Ils commencent bien, après ils s'arrêtent. Ils commencent bien, après ils se découragent. Ils commencent bien, après ils laissent tomber. Ils commencent bien, après ils sont fatigués. Bien-aimé, tu détruis cela. J'ordonne à toute stagnation démoniaque qui a été installée. Bien-aimé, c'est un esprit de stagnation qui a été installé pour t'empêcher d'avancer, qui a été installé pour empêcher ta foi d'avancer. J'ordonne à toute stagnation démoniaque installé pour empêcher mon progrès, installé pour empêcher mon progrès, installé pour empêcher ma foi, installé pour empêcher ma vie de prière, d'être brûlé par le feu, au nom puissant de Jésus. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'ordonne à tout esprit de stagnation, tout esprit de découragement qui a été installé dans ma vie pour m'empêcher d'avancer, pour m'empêcher d'avancer dans la foi, pour empêcher mon progrès d'être totalement foudroyé par le feu, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es en train de détruire cela. Au nom de Jésus. Que toute installation démoniaque, que toute stagnation démoniaque, que tout piège de ténèbres qu'on a mis dans ta vie pour te ramener en arrière, pour chaque fois te décourager, pour t'empêcher d'avancer dans ta foi, pour t'empêcher de grandir dans ton intimité avec Dieu, que cela soit brûlé par le feu dans le nom puissant de Jésus. Que cela soit brûlé par le feu dans le nom puissant de Jésus. Que cela soit brûlé par le feu dans le nom puissant de Jésus. Que cela soit brûlé par le feu dans le nom puissant de Jésus. Que cela soit brûlé par le feu dans le nom puissant de Jésus. Que cela soit brûlé par le feu dans le nom puissant de Jésus. Que cela soit brûlé et qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il n'y ait plus de condamnation, que tu serves Dieu de tout ton cœur jusqu'à la fin, que tu serves Dieu avec un zèle puissant, un zèle glorieux, un zèle fort, un zèle déterminé et déterminant.
au nom puissant de Jésus, que tu serves Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, avec tes finances, avec ta force, avec ton intelligence, que tu serves Dieu de tout ton cœur dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, le Saint-Esprit me donne un sujet glorieux. Tu vas dire avec moi, oh Seigneur, je veux te servir de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces. Je veux te servir avec tout ce que j'ai. Je veux te servir avec tout, même mes finances, avec mes finances. Je veux te servir avec mon intelligence. Je veux te servir avec toutes mes capacités. Je veux te servir avec tout ce que tu m'as donné. Je veux te servir, Seigneur, et je refuse de reculer en arrière, car tu reviens bientôt. Et tu veux que, Seigneur, oh Dieu, que je sois totalement impliqué dans ton royaume et que je puisse te servir de tout mon cœur. Bien-aimé, commence à dire au Seigneur, je veux te servir, Seigneur. Je veux te servir. Je veux te servir de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, de toutes mes pensées. Je veux te servir, Seigneur. Je veux te servir avec mes finances. Je veux te servir avec mon argent. Je veux te servir avec mon intelligence. Je veux te servir avec tout ce que tu m'as donné. Je veux te servir, Seigneur. Je ne recule pas en arrière, car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je ne retourne pas dans la vie de péché, car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Seigneur, je te sers. Je veux te servir, Seigneur. Je veux te servir, Seigneur. Utilise-moi pour ta gloire. Utilise-moi pour ton royaume. Utilise-moi, Seigneur, oh Dieu, pour ta seule gloire, dans le nom de Jésus. Tu es en train de dire au Seigneur de t'utiliser, qu'il puisse utiliser ta vie. Dieu peut faire des choses extraordinaires. Dieu peut te donner un travail alors que tu n'as pas des papiers. Dieu peut te donner une maison alors que tu n'as pas de papier. Dieu peut te faire voyager sans visa. J'ai déjà vu ça. Quelqu'un qui a voyagé sans visa. Il monte son passeport, les gens voient le visa. Il tape les tampons, mais dedans, il n'y a rien. Bien-aimé, ce sont les miracles de Dieu. Il est capable de te donner quelque chose que tu n'as pas payé. Dieu est capable de te faire vivre des miracles extraordinaires. Il est capable de sortir la nourriture dans ton frigo alors que tu n'avais rien à manger. Il est capable de ramener un sac de courses devant ta porte alors que tu ne sais pas ça vient d'où. Il est capable de ramener de l'argent dans ton compte alors que tu n'avais plus rien, tu n'as personne qui peut t'aider. Il est capable de changer ta vie. Tout ce qu'il veut, c'est que tu lui donnes totalement ta vie. Dis, Seigneur, je veux te servir. Je veux te servir. Je veux te servir de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées. Je veux te servir avec tout ce que j'ai, avec tout ce que je suis, avec tout. Je veux te servir avec ma maison. C'est pour cela que Josué pouvait dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il a donné et ses enfants, il a donné et ses serviteurs, il a donné et ses biens, il a donné tout, il s'est donné, il a tout donné à Dieu. Au nom de Jésus, dans ce temps où nous sommes, où il y a beaucoup de sollicitations dans le monde, il y a beaucoup de choses qui nous attirent par-ci, par-là, il y a beaucoup de choses qui attirent nos yeux, mais que tu puisses te focaliser et dire, Seigneur, au milieu de cette génération, je vais te servir. Au milieu de cette génération, je veux, Seigneur, que tu sois, oh, l'essentiel de ma vie. Au milieu de cette génération, Seigneur, je veux faire ta volonté. Au milieu de cette génération perdue, Seigneur, moi, je veux être dans ta vérité, dans ta sainteté. Au milieu de cette génération, Seigneur, égoïste, moi, je veux, Seigneur, oh Dieu, te donner mes biens. Au milieu de cette génération, oh Dieu, qui ne regarde que à soi, qui ne regarde qu'à sa maison, Seigneur, je te donne ma vie. Au milieu de cette génération, oh Dieu, je veux te servir. Je veux te servir. Je veux faire ta volonté. Je veux marcher dans ta volonté. Je veux être, Seigneur, un enfant de Dieu. Je veux être, Seigneur, oh Dieu, dans ta maison. Je veux servir ton royaume dans le nom puissant de Jésus. 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 Pendant que tu es en train de dire cette prière, moi je déclare sur toi que le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Pendant que tu dis cette prière, Seigneur, je veux te servir. Que le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Même ce qui te paraît impossible, que cela arrive dans ta vie au nom de Jésus. La chose qui te paraît impossible, que tu puisses la recevoir au nom de Jésus. La chose qui te paraît improbable, que tu puisses la voir dans tes mains au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que l'Éternel, qui est le Dieu qui ramène les choses impossibles à la possibilité, puisse ramener toutes les possibilités dans ta vie, dans le nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel t'accorde ce que ton cœur désire, que l'Éternel t'ouvre les portes qui avaient été fermées, condamnées, au nom de Jésus, et que tu puisses entrer maintenant dans ta destinée, dans ta bénédiction, au nom de Jésus. Que l'Éternel puisse ouvrir les portes qui étaient verrouillées devant toi, au nom puissant de Jésus. Que le Dieu que tu sers, le Dieu en qui tu crois, puisse t'accorder une santé
totale et merveilleuse, une guérison totale et complète dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel des armées puisse te faire du bien dans le nom de Jésus. Et que Dieu te visite et que le Saint-Esprit te remplisse, que tu sois conduit par le Saint-Esprit et que le péché devienne un dégoût total pour toi dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te fasse du bien, que Dieu change ta vie, que Dieu transforme ta vie soit un témoignage. Témoignage pour ton entourage, témoignage pour ta famille, témoignage pour tes enfants, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Qu'aucune maladie, quel que soit son nom, ne te condamne au nom de Jésus, mais que la santé, tu sois condamné à la bonne santé, tu es condamné à la vie, tu es condamné à la bonne santé, tu es condamné à la longue vie, tu es condamné à la bénédiction, tu es condamné à la grâce, tu es condamné à la faveur, dans le nom puissant de Jésus. Tu es condamné à vivre les miracles de Dieu au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour ton amour et merci pour ta grâce. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur pour l'exaucement? Nous disons merci au Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Ô Seigneur mon Dieu, je viens encore Seigneur te dire merci. Merci d'avoir exaucé notre prière, merci d'avoir écouté notre prière. Merci Seigneur ô Dieu pour la prière qui est montée devant le trône de ta grâce comme un parfum de bonne odeur. Merci pour toutes les personnes connectées, Seigneur. Je lève ma main droite et je les bénis chacun. Chacun, Seigneur, ô Dieu de gloire, un à un, ô Dieu. Et que ta main de guérison, ta main de restauration, ta main de bénédiction, comme j'ai dit tout à l'heure, puisse toucher chacun. Que les maisons soient restaurées, que les familles soient restaurées, que les vies soient restaurées. Que, Seigneur, ô Dieu, le travail soit restauré, que les mariages soient restaurés, que, Seigneur, leur vie soit restaurée. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, garde-nous fidèles à toi, afin que nous puissions être là ce soir, fortifier encore chacun pour la guerre de minuit. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié et nous disons trois fois Amen, 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 Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Voilà, nous sommes arrivés à la fin et nous nous retrouvons donc pour la guerre de minuit à 23h. Voilà, je m'excuse pour le... Tout à l'heure, il y avait un grand blanc parce que j'avais reçu une livraison que j'attendais depuis le matin et il fallait que j'aille pour voir ces personnes-là. Voilà, comme c'était un gros truc, donc il fallait que j'aille pour arranger, ouvrir la porte et tout ça. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, on se retrouve plutôt, voilà, tout à l'heure à 23h par la grâce de Dieu. Merci d'aimer la vidéo avant de partir, s'il vous plaît, aimons la vidéo, ne partez pas sans aimer la vidéo, partagez à des amis, soyez des sycomores, évangélisez, le Seigneur sera béni, si vous évangélisez, que Dieu bénisse ceux qui ont donné leurs offrandes, Amaout soit béni, que le Seigneur te fasse du bien, et j'ai vu tout à l'heure, Inès, ça fait 27 mois que tu as le badge, waouh, 27 mois, que Dieu te bénisse 27 fois, au nom de Jésus, Inès c'est... Que Dieu te bénisse 27 fois. Et si vous n'avez pas encore le badge, s'il vous plaît, prenez le badge, comme ça vous aurez une petite couleur à côté de votre nom. Le badge, c'est juste un abonnement qu'on prend pour aider la chaîne à avancer, pour nous permettre de payer les petits frais, les petites caméras, les petites choses, les petites applications qui nous aident aussi à bien faire les lives. Voilà. Donc, n'hésitez pas, en cliquant tout simplement « Rejoindre », vous pouvez devenir membre de soutien de la chaîne YouTube Tour de prière semeur. Et n'oublions pas l'opération maison de prière qui continue. On a besoin d'une maison de prière. Vous pouvez le faire en donnant vos dons. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je vous dis donc à bientôt. Trinité, sois bénie. Je t'ai vu. Voilà. Excellente vacances à toi. On est ensemble. Soyez tous bénis. Je vous dis donc à bientôt, à ce soir, par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Ciao, ciao. Ceci vous est présenté par la Tour de prière semeur. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté par la Tour de prière semeur. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté par la Tour de prière semeur. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté par la Tour de prière semeur. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de prière semeur pour plus d'édification.
Que Dieu vous bénisse.